La consultation en nutrition, ça peut intervenir pour un animal qui est jeune. On vient d'adopter un nouvel animal et on voudrait avoir des conseils en alimentation parce qu'on lit beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on lit beaucoup de choses sur Internet. Ce matériel n'est pas souvent écrit par des vétérinaires, donc avoir un vrai conseil d'un professionnel sur le sujet. Mais ça peut être aussi parce que mon individu, mon chien, mon chat est en surpoids. Et que le surpoids est associé aussi à d'autres pathologies et que je souhaite le faire maigrir, mais le faire maigrir en adéquation avec son bien-être. Donc je ne veux pas le frustrer. Et puis il y a aussi, aujourd'hui c'est la mode de donner une alimentation faite main, faite à la maison. C'est des alimentations comme les rations ménagères ou le type BARF sans complément vitaminé qui demandent d'être réellement calculées et adaptées à l'animal. Les recettes toutes faites sur Internet ne sont pas forcément adaptées à l'individu que l'on voit. Et ça, c'est le rôle du vétérinaire nutritionniste que de formuler une recette adaptée à l'animal. L'objectif du consultant en nutrition, c'est de trouver l'aliment en adéquation avec mon animal. Et bien sûr, en adéquation aussi avec ce que souhaite le propriétaire. Est-ce qu'il a le temps de cuisiner pour son chien ou son chat? C'est génial. Dans ce cas-là, on adaptera une ration qui soit pour ce type de rythme de vie. Si je n'ai pas le temps de cuisiner, j'aimerais quand même quelque chose qui corresponde à mon chat et donc du coup, avec peut-être une base humide, le consultant va trouver quelque chose qui soit en adéquation avec les besoins du propriétaire, mais aussi en adéquation avec le besoin de l'animal. Alors, une consultation nutrition, ça va durer entre 45 minutes à 1 heure. Plus court quand c'est des consultations à base physiologique pour un individu qui n'a pas de pathologie particulière. Un peu plus long quand ce sont des consultations pour des individus qui sont atteints de maladies bien particulières. On va repartir avec déjà un certain nombre de conseils et par la suite, vous allez recevoir par mail la prescription en fonction de ce que le propriétaire veut bien faire. Donc, il y a une discussion. Est-ce que vous préférez une ration ménagère? Est-ce que vous préférez avoir une alimentation plutôt humide, une alimentation industrielle sèche, des croquettes, un ensemble de tout ça? Et en fonction des différentes propositions qu'on va faire au propriétaire, c'est lui qui va dire « moi je préférerais plutôt ça ». Et enfin, on va finir par une prescription qui sera envoyée par mail au propriétaire et un suivi qui va se faire dans certains cas par mail, dans d'autres cas qui va se faire de visu avec une consultation suivie. C'est une vraie spécialité à part entière, la nutrition. Donc, comme la cardiologie, comme la médecine du comportement, la diététique fait partie des spécialités sur lesquelles on peut avoir un conseil d'un expert dans le domaine.